Peut-être qu'on va pouvoir jouer à pierre, feuille, ciseau pendant ce défi, les gars, let's go. Je mets un ciseau. Oh, il a mis la feuille, let's go. Salut à toutes et à tous, ici Layan. Aujourd'hui dans cette vidéo, on est parti pour s'essayer au défi du championnat dans lequel il va falloir faire un total de 15 victoires si je veux rafler toutes les récompenses et éventuellement m'inscrire aux qualifications mensuelles. Pour réussir l'exploit, je suis accompagné de deux abonnés exceptionnels. On a Enshot à ma gauche qui arbore une petite peignée actuellement et Paulino à ma droite avec une incroyable emote qu'on a tous les deux récupéré au championnat Brawl Stars en novembre 2022. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire ni une ni deux, c'est parti. On commence avec la prime, on va jouer sur Grand Canal. J'ai choisi H, je pense que c'est un choix assez safe sur cette map. Et du coup c'est la première fois qu'on va faire le défi du championnat avec des murs indestructibles, car la mise à jour a eu lieu il y a vraiment très très peu. Paulino qui a mis Zeta Division x2 sur son profil, je viens de griller. Débat. On y va, Paulino qui flex direct son emote incroyable. C'est parti pour la première game de prime. Bon écoute, Gaël, hop, on va se débarrasser de toi. On va sur la Jessie. Clac. On a un petit ulti pour eux là qui les attend. Tiens Jessie, prends ça. Attention, boum. Let's go. Ok, bah écoutez, première game, ça va être assez facile je pense. Alors là ce que je kiffe aussi avec la mise à jour, c'est que ils ont animé certaines emotes de H qui n'étaient pas animées jusque là. Attention, le Gaël il va où? Qu'est-ce qu'il fout le Gaël? Elle est freestyle cette première game hein. Du coup je disais, on va en profiter pour regarder quelques nouvelles emotes animées les amis, parce que là vraiment c'est un massacre. On a la première de H, Pignata. Pignata, vraiment incroyable l'animation, je l'adore. On en a une deuxième que je vais pouvoir mettre dans un instant, c'est celle de Krampus H que je vous avais fait gagner d'ailleurs en giveaway. Voyons voir. Boum, le cadeau qui débarque et la griffe de Krampus H là, incroyable. Et ensuite on en a une troisième, alors celle-ci elle était déjà animée. La troisième, celle-ci, elle était d'ores et déjà animée avant la mise à jour et elle est très très bien. Non franchement GG Brawl Stars, c'est cool que vous animiez les emotes au fur et à mesure. Y avait pas quelqu'un ici? Ah bah si, voilà, c'est bien ce que je me disais. D'accord, la H, la Max elle a carrément arrêté de jouer. Alright. Ah mais attendez, quelqu'un a mis la feuille par terre, ça veut dire ils veulent jouer à pierre, feuille, ciseau avec moi? Vas-y, attendez, je mets une pierre. Voyons voir. Est-ce que c'est Paulino qui a mis la feuille ou est-ce que c'est... Oh, c'est Paulino. Il a le pierre, feuille, ciseau. Peut-être qu'on va pouvoir jouer à pierre, feuille, ciseau pendant ce défi, les gars. Let's go. Je mets un ciseau. Oh, il a mis la feuille. Let's go. J'ai gagné. Bon, le respect, il est parti loin, loin, loin au Tibet par rapport aux ennemis. Hein. On les a carrément ignorés sur la fin. On récupère les 100 premières pièces et on entre direct dans la deuxième game de prime. Allez, la deuxième game a été trouvée. Voyons voir la compo en face. Ems, Brock ainsi que Frank. Très bien. Voyons voir le profil de Enshot également. Penny avec le drapeau pirate. Magnifique emote spécial de Penny, de Bugs Penny, pardon. Très, très cool le profil. Allez, hop, vas-y, on met l'emote. Ok, tous les adversaires sont sur la gauche. Déjà deux qui se sont fait éliminer. On va contrôler la Ems ici. Oula, 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 oulala, j'ai failli me prendre la roquette ici. Bon, écoutez, c'est du 9 à 0 pour l'instant. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de très intéressant a priori. Moyen qu'au montage, je skip à la game suivante assez rapidement. 2000 years later. Ok, c'est bon. C'est la victoire, 43 à 12. Assez easy comme prévu. Allez, on passe à la troisième game de prime. Let's go. Allez, c'est parti. Troisième game trouvée. Toujours ce petit logo Wi-Fi au début. Bien dommage. Edgar, Emery et Dynamite cette fois-ci en face de nous. C'est parti. Allez, jolie attaque de la part du Edgar qui va sauter sur la Eve. Ouh là là, heureusement que Paulino il a mis un gadget. Hein. Très très bien joué de sa part. Ouh, je me suis fait avoir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 le Edgar deux fois d'affilée. Faut que je fasse plus attention, là. Nickel, le Edgar qui revient. Bon, malgré les deux kills que j'ai filés à Edgar, écoutez, c'est un massacre pour l'instant, on va pas se mentir.
D'ailleurs, en parlant du Edgar, est-ce que je peux me venger? La réponse est oui. On vient de l'éliminer, c'est parfait. 36 à 8, 38 à 8. On va passer à l'étape suivante, je pense. On va passer au Brawl Ball directement. C'est parti. 10 seconds later. La map de Brawl Ball pour ce défi, c'est tir au but, les amis. Et je pense que je vais garder un petit H des familles qui va très très bien passer. Paulino sur sa Max et Henshot sur sa Mandy. On prend le risque de pas prendre de BA quand même. La BA qui est très très fort dans la méta actuelle, c'est un truc de ouf. J'espère qu'on en croisera pas beaucoup. Pour l'instant, pas de BA, Buster, Jesse et Grom en tant qu'adversaire. Allez, très bien. Va falloir faire gaffe au Grom. Il peut nous mettre des bons dégâts. On va aller le surprendre. Voilà, détruire sa tourette. Et inscrire tranquillement le premier but. Hop là. Allez, on y va. Attention les tirs de la Jesse. Voilà, c'est bon. Elle va plus nous embêter. Le Buster qui avance. Non, ça va. Le pauvre Grom. Bon, bah GG, écoutez, c'est un 2-0. Archi, méga, rapide. GG à ma team également. Je joue avec deux BG, je vous ai dit. Deux abonnés exceptionnels, Henshot et Paulinho. Merci à eux de jouer avec moi d'ailleurs, hein, s'ils regardent cette vidéo, s'ils passent par là. Allez, on enchaîne sur la deuxième game. C'est parti. Alors, on est tombé contre qui cette fois-ci? Otis, H et BA. Ouh, très bonne compo en face. Ouh là là là, très très bonne compo. Ish, voilà, on commence par un petit tir de BA bien agréable. Voilà, c'est exactement ce que je craignais. Ish. Oh là là, je me suis fait annihiler par la BA. Le H qui est bien placé. Et voilà, c'est exactement le genre de compo adverse que je craignais. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne ça à partir de la prochaine game parce que sinon ça risque d'être compliqué. Petit gadget de ma part. On va essayer de les battre quand même. C'est parti. Bien joué, Paulino. Nice. Ah ouais, mes alliés, ils sont vénères là. Allez, un partout, on peut le faire. Les tirs de la BA, toujours un plaisir. Voilà, ils sont partout. Non, dommage. Oui, bien joué, Paulino. Oh, dommage, il a essayé la technique avec la Max, là, et le gadget. Alors, mon ulti, il est très bien contre la BA, je trouve. Super. Le boost. On y va. Headshot. Oh là là, magnifique, on a réussi à remonter. Eh, je me suis dit, il fallait absolument qu'on change de compo parce que la leur, elle était vraiment impeccable. Mais écoutez, on s'est bien débrouillé. GG à ma team, troisième game de Brawl Ball, c'est parti. Alors cette fois-ci, on est contre Shelly, Gaël et Bibi. Ok, ça devrait aller. Oh, superbe. Superbe, qu'est-ce que c'est bien fait. 1-0, let's go. On est bien parti pour l'instant les gars. Est-ce qu'on va réussir à faire un 15-0 sur ce défi en fait? C'est ça la question. 15-0, oui ou non? Oh, le Gaël, il m'a bien poussé contre le mur. Oh, la Billy à la forêt, ça passe. Let's go. Ah, elle doit avoir les boules hein. C'est parti, on y va. Eh bah écoutez, je pense que c'est le GG. Impeccable. Écoutez, le Brawl Ball s'est plié les amis. On va passer directement à la Razia Gem. La map de Razia ce mois-ci, c'est Mine Hard Rock. Très bien. Eh bien écoutez, je pense que je vais garder encore et toujours mon H. Ça se trouve, je vais jouer H pendant tout le défi les amis. On a Henshot sur sa Bibi, Paulino sur sa Max. On va voir si ça passe avec une compo pareille. Si ça passe pas, je leur dirais qu'il nous faudra un petit ricochet quand même. Au pire, je pourrais prendre ricochet même, s'il faut. Allez, c'est parti. Voyons voir c'est qui les amis. Tic, Jackie ainsi que Gaël. Ok, allez, let's go. Ok, un premier gadget de la part du Gaël, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt bien pour nous. On leur fout une énorme pression directement. Deuxième gadget de la part du Gaël, ça va, easy. Le Tic, on l'accueille comme il se doit. La Jackie, on lui donne un cadeau. Petit cadeau empoisonné vu qu'on est Krampus H. Mmh,
Attention, Paulinho qui détient les 9 gemmes. Ouais, superbe. Superbe avec sa max. Vraiment, excellent travail. Le tic, on sait pas ce qu'il fout là. Petit cadeau empoisonné encore pour les ennemis. Tiens, Jackie. Et let's go. Bah écoutez, c'est le GG. On va passer immédiatement à la deuxième game de Razer Gem. Pour l'instant, zéro défaite dans ce défi. Ça se passe très très bien. Alors, deuxième game de Razer. On est parti sur Stu, Bo et Bibi en tant qu'adversaire. Très bien, c'est parti. Paulinho, vraiment incroyable avec sa max. Il nous fait des esquives. Du turfu. On va déminer. On surveille les buissons là, au cas où il y a une bibi sauvage qui apparaît. Ah bah voilà, elle est ici. Super. La bonne défense. Ouais, on s'est vraiment très très bien débrouillé là sur celle-là. Voilà, on a la 10ème gemme, impeccable. GG. Petite partie un petit peu plus serrée que les dernières, mais écoutez, on s'est très bien débrouillé toujours. Allez, on enchaîne. Alors, troisième game de Razer Gem, cette fois-ci Karl, Rico ainsi que Bo en face. Allez, let's go. On démine. On esquive. Carré. Rip ça. Ah ouais, le Karl qui nous a bien eu, attention. Headshot qui perd. Oula, on perd toutes les gemmes. On se prend tout ça là, les bons dégâts. Le Karl qui récupère la dernière gemme. Ouah, comment on va faire? Comment on va faire, les gars? C'est parti, on y va en tout cas. Je les coince. On les coince. Allez, headshot. Oh non, l'ulti du Karl qui nettoie tout. On y va. On y va, on voit ce qu'on peut faire. Allez, vite. Le Karl, il est là. On y va. Let's go. Paulinho avec 2 PV. On est derrière toi, poteau. On est derrière toi, on te protège. Oh, let's go! Oh là là, les gars, incroyable! Incroyable, attention, Paulinho, le DJ, l'ulti du Karl! Non! Il est mort! Non, le beau, il va tout récupérer! Vite! La partie infinie! On arrive! Oh, le boost de vitesse qui est la bienvenue! Vite! Oui! Let's go! On récupère les gemmes à nouveau. Je possède 16 gemmes, les gars, c'est chaud. C'est très chaud. Nice. Oui, 3, 2, 1. La partie de ouf. Waouh. Oh là là, c'était incroyable. GG vraiment à ma team qui a gardé son sang-froid. Et bravo aux adversaires quand même qui nous ont donné du fil à retordre. On passe sur la quatrième partie du défi, les gars. Le hors-jeu. Alors la map de hors-jeu pour ce défi, c'est Rocher de la Belle. Très bien. Et bien écoutez, j'ai sélectionné un petit Groom des familles. Henshot sur sa Mandy et Paulinho sur sa Polly. Waouh, c'est quoi cette compo? Un lanceur et 2 snipers? Écoutez, j'espère que ça va passer. On est contre Max, Groom et Janet. Ils ont une compo vraiment sérieuse aussi. Ça se voit à leurs icônes également. Allez, c'est parti, là, il va falloir se concentrer un petit peu. On y va. Groom contre Groom, évidemment. J'ai pas encore touché. Ouh, j'ai failli avoir le Groom. La Janet, peut-être un petit peu coincée, non? Si la Janet est coincée, c'est vraiment bien pour nous. Elle est dans les buissons ou pas? Ouais, elle est dans les buissons. Ouais, c'est bon, on l'a tuée. Mais qu'est-ce que... Pourquoi elle est dans les buissons au milieu? What the fuck? Ok, GG. On gagne le premier round. Je crois qu'elle s'est un petit peu coincée toute seule, la Janet, en fait. Belle ulti de la part de Henshot. On régène.
Oula, je me suis fait avoir, je lâche un ulti à la fin. Oh là là, je les laisse très low. Oh, le gadget de Paulino qui passe pas, incroyable. Et les adversaires qui se régènent. Le manque de réussite sur ce coup-là est assez impressionnant, les amis. Laisser les deux adversaires à même pas 100 PV, je crois. GG à eux. Un petit peu de réussite, ça fait pas de mal. Paulino, peut-être le miracle. Ouais, non, c'est compliqué. Allez, on va pas se laisser faire. On est reparti. Je vois peut-être un peu plus safe cette fois-ci. Ouh là là, dommage ça. On se fait agresser, on se fait agresser. Nice. Nice, on réussit à faire un kill. Deux kills. Paulino. Oui. Let's go. Le travail d'équipe incroyable qui a payé. Popopo. Elle était chaude celle-là, hein. Ça se voit que le défi devient de plus en plus compliqué. On enchaîne sur la deuxième game de hors-jeu. Alors, oulala, il y a un Mortis en face, alors lui il va se faire plaisir. Mortis, Tick et Mandy. Je vais pas vous mentir, le Mortis me fait très très peur là. Concentration, voilà, le Mortis voilà, qui fonce directement sur nous. Sans surprise. Oh là là, si on peut l'éliminer c'est bien. Allez, let's go, on l'a eu. Sauf que je suis bloqué. Je suis bloqué. Allez vite. Non. Oh là là, la Mandy. Ah, elle m'a rush. Bien joué, Henshot. Ouh, c'est du 1v1 désormais. Attention, Henshot, ne t'enferme pas dans ces buissons. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Petit tag qui est posé. Il est excellent, ce tag, je trouve. Alors, Henshot qui patiente un petit peu pour l'instant. Là, faut absolument qu'il mette la tête. Le tic, sinon. Voilà. La tête est là, attention maintenant, il a plus de munitions contre la tête, ça va lui faire très mal. Oh là là, mais non. Bon, on excusera Henshot qui n'a pas joué depuis longtemps, mais vraiment qui a beaucoup trop pris son temps là, vraiment. Vite, vite, vite. Là, ça se sentait qu'il fallait qu'il y aille, quoi. Ouh, j'ai failli me faire avoir par ce tir. C'est parti, sur le tic. Petit kill en 3 coups, easy. Je vais garder mon super, je pense, pour... Ouais, je vais garder mon super pour le reste du défi, je pense. La Mandy qui esquive très très bien en face. Let's go, allez, un round partout. Est-ce que le Mortis, il va essayer de nous rush direct encore? J'ai réussi à éliminer la Mandy. On va essayer de régène quand même. Oh là là, Paulino qui a stressé. Oh là 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 là. Pfff, ça s'est joué à rien encore. Allez, c'est parti, troisième et peut-être dernière game de hors-jeu. On est contre un Grom, un Tick, double lanceur du coup, ainsi qu'une Bibi en face. Ok, on va essayer d'être le meilleur Grom du coup. La Bibi qui s'approche direct. Attention. Le Grom en face qui est mort, ça fait plaisir. Par contre, il est où notre poteau? Oh. On avait perdu Henshot avec sa Mandy pendant un moment. Allez, c'est reparti. Voilà. Oh, la Bibi qui se fait victimiser par mes deux snipers là, par Paulino et Henshot. Oh là là, je l'ai vu. En général, c'est la Bibi avec ses coups de batte qui envoie valser les adversaires. Mais alors là, c'est elle qui s'est pris des baffes. Hein. Allez, on enchaîne sur la dernière étape du défi du championnat, à savoir la zone réservée. Alors, la map de haute zone aujourd'hui, c'est Cercle de Feu pour ce défi. On la connaît bien et je pense que je vais jouer un petit loup. Henshot sur sa Meg et Paulino sur Emery qui a reçu un petit buff récemment. On va voir ce que ça donne. Allez, encore 3 wins à faire pour l'instant, 0 défaite. On est bien parti pour le 15-0. C'est parti. Penny, Jesse ainsi que Beau en face. Ça va rigoler, 0. Oh, c'est quoi ce sourire au milieu de la zone? What? Ah ouais, la map, elle a changé, dis donc. Nice. Le bon endormissement. Oh là là, les tirs croisés de la part du Beau et de la Penny, ça fait mal. On se fait vraiment dominer, là, pour l'instant. J'arrive pas à mettre un seul tir avec Lou, j'ai l'impression. Enfin, première ulti. On y va, c'est maintenant qu'il va falloir renverser la vapeur. Encore des mines, alors que je venais juste de déminer. Ah là là, j'ai parlé du 15-0 trop vite, les amis. Je suis un peu rouillé sur mon loup, je crois. Hop, vite. Oh non, j'ai pas pris le bon gadget.
J'étais sûr d'avoir changé de gadget pourtant. Non, mais pourquoi je me retrouve avec le bouclier là? J'ai pas sirop cryo les amis. Ah bah là on est foutu. On est clairement foutu. Écoutez, on va essayer de tenir le choc. Les tirs de Jesse. Why, why, why? Wouah, les tirs de Beau. C'est chaud. C'est chaud. Dernière ulti. 95%, 97%, faut le tuer. Oh là là. C'est maintenant ou jamais. J'arrive. Non, la mine du Beau encore. Et toujours les mines du Beau, j'en peux plus. Bon, bah rip pour le 15-0, les amis. On n'a pas réussi. Là, franchement, la team adverse a été bien. A été insupportable avec la tourette de Jesse, la tourette de Penny et les mines de Beau qui étaient tout le temps là sur la map. GG aux adversaires. Bon, vu que mon loup, il était un petit peu trop rouillé, on va passer sur Poco, les amis. Quelque chose de plus safe. Alors là, j'ai pris Poco, mais mes alliés n'ont pas pris de tank. Donc, on va voir comment ça passe. Je pense que Poco, de toute façon, dans tous les cas, sur Hot Zone, ça peut pas être un mauvais pick. Il est très résistant. Il peut vraiment tenir la zone. Et dans tous les cas, on va faire de notre mieux. Alors, voyons voir. Cette fois-ci, la compo en face, du Beau, du loup et de la BA. Ok, c'est assez sérieux. Nous, on est sur du Rico, Penny et Poco. Voyons voir comment ça passe. Là, ça se corse vraiment désormais à cette étape du défi. Les bonnes esquives. Nice. Première zone du loup. Wouhou! Allez vite, le heal. Voilà, super. La zone du loup, on va aider Handshot. C'est parti. Ouais, à cause de la congélation, c'est très très dur de se déplacer normalement. On revient aider les copains sur le terrain. Pour l'instant, c'est nous qui dominons, ça fait plaisir. Les bonnes esquives. Hop, on va peut-être achever la BA ici. Non, dommage. Il restait très peu de points de vie. Petit gadget pour... Ah bah non, pas de gadget pour one shot. Vite, 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 bouge. Gadget pour moi. Ouh. Ah ouais, la zone de loup qui reste longtemps. Au secours. Allez, première victoire en Hot Zone. C'est parti pour la deuxième game. Deuxième game de Hot Zone trouvée. Pam, Emery et Tix seront nos adversaires. C'est parti. Dommage. On se débarrasse du tic. On heal le poteau. Superbe. Le Emery qui va prendre bien son temps pour détruire le mortier. Y'a pas de soucis, poteau. Reste là-bas. Ça nous va très bien. Superbe. 95%, plus que 5% à mettre. On va achever ça, les gars, et on va passer directement à la troisième étape du défi. 97, 98. Voilà, impeccable. On se retrouve pour la dernière game. Ah, dernière game trouvée. Peut-être dernière game du défi, d'ailleurs. Spike, Béa et Penny seront nos adversaires cette fois-ci. Allez, let's go. Nice. Alors là, je suis trop content de mon trade, vraiment. Oh là là, j'en suis tellement content. Oh, j'ai réussi à passer sur le côté et tout. Incroyable. Oh là là, oh là là, oh là. Ça, par contre, pas incroyable du tout. Probablement un gadget pour Paulinho. Bah non, il est resté dans... Il est resté dans le tir du mortier, tout comme moi, là, à l'instant. Impeccable. On aime ça. Vite, une emote. Un gadget. Ok. L'ulti du Spike, toujours un plaisir. Ouh là là, elle est assez serrée cette game là, ça peut partir vraiment dans un sens comme dans l'autre. Faut pas laisser les ennemis s'installer. Super l'ulti de la Max. Voilà. Ouais, Poco vraiment trop fort. Petit gadget. C'est bon, on prend le dessus. Nice, nice, nice.
Et voilà le travail, let's go sur cette dernière action. Eh bien écoutez les amis, c'est le GG. Fantastique défi du championnat encore une fois. Malheureusement le 15-0, c'est pas pour aujourd'hui. On a fait une petite défaite des familles. Félicitations, vous avez réussi à vous qualifier pour la prochaine étape que je ne jouerai probablement pas vu les teams de malades qu'il y a en face à chaque fois. On a donc réussi à débloquer le logo e-sport, le nouveau bouton sur la gauche de l'écran dans le menu principal. Si je clique dessus les amis, je vous montre tout de suite ce qui s'affiche parce que vous êtes beaucoup à me demander dans les commentaires à chaque fois. Le championnat Brawl Stars avec une nouvelle page, choisir une équipe. Je peux créer une équipe de 3 ou 4 joueurs. S'il y a 4 joueurs, il y a forcément un remplaçant et du coup je peux participer aux qualifications mensuelles. Si je clique sur le point d'exclamation qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran, également sur le lobby dans le menu principal, voilà ce qu'il y a. Épreuve qualificative en ligne débloquée et je peux cliquer sur afficher et voilà le fameux message de la réussite. On va cliquer sur OK et je vais juste dire merci à Enshot et merci à Paulino d'avoir joué avec moi. Vous êtes des boss les gars, on s'est super bien débrouillé. Je vais leur dire voilà, bien joué. Lion fait l'outro, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Bien joué Paulino. Bah écoutez, on s'arrête sur ça pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inspirer de nos compos qui ont marché durant cette vidéo si vous aussi vous faites le défi. Juste avant de se quitter, n'oubliez pas que je vous fais gagner en ce moment le skin Boule Mania. Il y en a 2 à gagner sur mon compte Twitter, 2 à gagner sur mon compte Instagram, ainsi que 1 sur mon serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci d'ailleurs, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu qui fait plaisir, de vous abonner à la chaîne et de m'écrire dans l'espace commentaire quel est le score que vous avez réalisé à ce défi du championnat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Lion, ciao ciao les potes.